va passer en quadrupédie. Donc à quatre pattes. De ma quatre pattes. À nouveau un peu de mobilisation de la colonne. Inspiration, creuse le dos. Expire, fais le dos. Inspire, creuse le dos. Alors c'est pas comme tout à l'heure, on n'est plus assis sur ses talons, mais on a fait glisser les mains vers l'avant. C'est pour étirer notre grand pectoral. Au fur et à mesure, on essaie de rapprocher davantage la poitrine du sol. Puis reviens en quadrupédie. Et ramène une jambe pour le psoas. À nouveau, notre cher psoas. Avec une option. C'est le même exercice qu'on a fait tout à l'heure, où la jambe était tendue, mais que ce n'est pas obligatoire. C'est une option. Donc, soit je reste en mode confort, comme je peux. Je peux mettre un coussin sous le genou aussi. Ou on peut décider de tendre la jambe. Choisissez vraiment votre option. Puis on va en sortir tranquillement. On repasse sur la quadrupédie pour changer de jambe. Toujours ma sécurité au niveau du psoas ici, c'est que le genou ne dépasse pas la pointe du pied. Donc soit je reste juste sur celui-là, ou je rajoute l'option. Tendre la jambe. Voilà. Et toujours sur mon expiration. J'inspire. Expiration, je ne vais plus là. Ah, ça commence à revenir, hein. Vous voyez, par rapport au début de la séance. C'est exactement ça que vous devez ressentir au niveau de vos muscles. C'est-à-dire qu'au début, vous êtes un peu bloqué, il y a une certaine souplesse, et en fin de séance, on doit être plus souple. Ok, je ressors. C'est mon étirement, je reviens. Allez, on va joindre. Les pieds joints et on va remonter avec un étirement des ischio-jambiers. Je pose les mains au sol, inspirez, expire, colle les talons et je reste en bas. Ok, je vais dérouler tranquillement. Déverrouille les genoux. Déroule. Prenez le temps. Serre les épaules. On se réénergise. Inspire. Expiration. Un petit dernier. Expire. Voilà, pour ça, même carrément du temps. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt. Nous avons encore une semaine. Ah ben je crois que c'est les vacances après. Je sais plus, je suis un peu perdue avec le confinement. En tout cas, si jamais je ne vous revois pas avant les fêtes, je vous souhaite de très très bonnes fêtes, une bonne santé et que l'année 2021 soit un peu meilleure que la 2020. Gros bisous, ciao ciao.